Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que, à mon retour du week-end, j'ai eu la surprise de recevoir un colis donc de la part de Régine. Je m'y attendais pas du tout, franchement. Voilà, et ça me fait super plaisir. Donc, du coup, on va découvrir ensemble ce qui contient. Mon fils l'a ouvert quand même. Parce qu'en fait, j'étais pas là et du coup, il m'a dit, maman, t'as reçu un colis. Et j'ai dit, ah bon, mais ça vient d'où? Il m'a dit, mais je sais pas, de colis Simon. Il m'a dit, j'ai dit, bon, d'accord, ok, mais à part ça. Et donc, j'ai eu la surprise en rentrant de voir que c'était Régine qui m'avait envoyé un colis. Donc, on va voir ce qu'il y a ensemble. J'ai juste ouvert, mon fils a ouvert comme ça. Donc, on va l'ouvrir. Ah oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je vous montre. Elle m'a fait un super tableau. Alors, avec tout ce que j'aime, franchement, j'adore. C'est une tuerie. Là, je ne sais pas où tu as les images, mais moi, ça m'intéresse de savoir où tu les as, parce que franchement, j'adore. Regardez-moi ça. Ah ouais, une tuerie. Franchement, tout ce que j'aime. J'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. C'est waouh. Avec des petites chaînettes, je sais pas si vous les voyez bien là. Moindre petit détail, franchement, j'adore. J'adore la toute petite clé là. Vous voyez les couleurs et tout, c'est tout ce que j'aime, franchement. Oh, ça va aller direct dans l'atelier. Et ah oui, et voilà, parce qu'en fait Régine avait participé au défi, voilà. Et donc du coup, elle m'a envoyé son tag qui est juste magnifique. Franchement, j'adore. Donc je vous montre le derrière. Et voilà, comme ça. Franchement, j'adore. Ensuite, oh là là, c'est beau ça. Elle a projeté des images. Ah non, ça arrive à l'ouvrir. Je suis un peu émue, je suis désolée. En plus, je m'y attendais pas du tout. Oh, c'est beau. Ah ouais. En fait, c'est des images projetées. Là, c'est trop bien fait. Ah, ça, je sais pas faire. Par contre, ça, le crochet, c'est pas mon truc du tout. Et c'est trop beau. Franchement. J'adore. Oh là là, et celle-là. Tout ce que j'aime. Je vais essayer que mon fils ne me pique pas, me le pique pas avec la voiture. Parce qu'il adore les voitures de collection. Donc, oh là, c'est trop beau. Ça, je sais pas faire. Franchement, c'est trop bien fait. J'ai jamais compris comment on arrive à faire, à crocheter des fils aussi fins. Parce que je sais pas si vous voyez comme c'est fin. C'est super fin. Le fil. Alors moi, je sais pas. Je crois que j'ai pas assez de patience pour ça. Je vais essayer, mais j'ai pas eu le courage de me lancer encore. Et en plus, j'adore ça. Hein, mais... T'es super doué, franchement. Wow. Ensuite, nous avons. Fond, je pense que c'est travaillé à l'aquarelle peinture métallique. Je crois que c'est sur du papier aquarelle. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Ensuite, nous avons des découpes. Hop. Je vais pas tout vous sortir parce que je voudrais pas les abîmer. Ils sont trop jolis. On dirait des fleurs, mais
On n'a pas l'habitude d'en voir. Et en plus, du coup, comme il y a plusieurs tailles, on peut les monter en fait. Franchement, c'est un papier métallisé. Je sais pas si vous le voyez pas, vous, à la caméra, mais franchement, c'est trop beau. Moi, j'adore. En plus, j'ai pas ça. Je vois que Régine me connaît bien. Ensuite, ah ouais, des engrenages. Est-ce que je vais trouver le bon côté? J'adore. Je vais vous montrer comme ça. Ah, ça, j'adore. En plus, je ne l'ai pas du tout celui-là. Donc, il y en a plusieurs comme ça. En noir, en blanc. Franchement, trop beau. J'adore. Ouais, je sais, je répète souvent, mais c'est vrai. J'ai pas d'autres mots. Là, nous avons. Ah oui. Elle m'a embossé des fonds. Des cartes. Oh, c'est trop beau. Regarde. Je sais pas où tu as eu ça, mais. Franchement, c'est trop beau. En plus, elle a laissé le milieu. Ce qui fait qu'on peut s'en servir pour mettre dessous, par exemple. Faire des trucs. Franchement, waouh, un craft. Je sais pas si vous voyez bien. Waouh. Franchement, j'adore. Ce casseur embossé là, qui découpe comme ça, j'adore. Franchement, alors ça m'intéresse de savoir où tu l'as eu. Hein, si, je veux bien savoir. Ça m'intéresse bien parce que. Ben, j'adore. Ensuite, nous avons une carte. Ah oui. Alors, j'avoue que j'ai un peu triché. La carte, je l'ai vue. Je l'ai lue hors caméra parce que je suis assez sensible. Et en général, après, ben, je suis très émue. Et voilà. Et ben, ça me touche beaucoup, Régine. Franchement. Merci. Je sais pas si je mérite ça, mais franchement, voilà. Donc, regardez, elle a fait du 3D. Alors, attendez, j'ai le téléphone qui s'en va. Hop. Pardon. Voilà, donc je vous disais, elle a fait en 3D. Voilà. Et c'est super bien fait, hein, franchement. Et ensuite, alors ça, je n'ai pas ouvert parce que j'ai voulu le faire avec vous. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va découvrir ça ensemble. Essayez de ne pas trop abîmer les pochettes. Ah oui. Donc, une tour Eiffel. Et ça, c'est des moulages qu'elle a fait, waouh. Ah, j'adore. Ah, oh, là, j'adore. J'adore. Et là, moi, j'ai pas trouvé ce moule-là. Je trouvais que le petit que j'ai. Mais celui-là, j'adore. Vraiment. Waouh. Oh, une boule. Une boule à neige avec la tour Eiffel. De ces moulages, ils sont trop beaux. Une autre tour Eiffel. Ah oui, là, elle en a colorisé. Oh, j'adore. C'est trop beau, franchement. Wow. Puis c'est bien emballé et tout. La tour Eiffel colorisée. C'est beau, hein, franchement. Oh là là, et celui-là. La montgolfière comme ça. Une tuerie. Franchement. Je sais pas si c'est en plâtre.
Tu me diras en commentaire, mais je crois que c'est en plâtre. On dirait. Je suis pas spécialiste après les moulages. J'adore les moulages, mais c'est vrai que je suis pas spécialiste. Et encore des montgolfières. Franchement, merci beaucoup parce que là, j'adore. Et j'ai pas d'autre mot. J'adore. Voilà, ça, on va les mettre là. On va les ranger après pour pas les abîmer parce que là, pour le coup. Voilà. Après, hop, encore une autre enveloppe. C'est Noël. Bon, je vais essayer de ne pas trop l'abîmer. Voilà. Oh là là. Ah, oh, j'adore. Regardez-moi ça. Donc nous avons des clés. Moi, je suis désolée hein, pour le vernis. J'ai toujours pas pris le temps de faire les ongles. Et la semaine dernière, le mix média a eu raison du vernis, hein, n'est-ce pas? Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi cette clé. Elle est trop belle. Ah, et celle-là. Franchement, je sais pas où tu les as eues, mais ben ça, franchement, hop, ça, on va les mettre, on va les ranger après avec les autres. Franchement, c'est une tuerie. C'est, j'ai pas de mots. Là, je me suis mal pris. Oh là là. Oh là 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 là. Des petits napperons. Ils sont magnifiques. Là, c'est pareil. Je pense que c'est elle qui les a fait. Mais je sais pas en quoi. Je vais pas trop les abîmer, mais. Ils sont trop beaux. Franchement. Waouh. Regardez-moi ça. Les deux tout petits, c'est trop mignon. En plus, j'en ai pas du tout de ça. C'est vrai qu'en général, j'ai des gros, mais j'ai pas de. Franchement, le petit papillon. Petite pensée pour Marielle. Ah oui, et la voiture. Celle-là, je sais où je vais le mettre. Je dois faire un album pour Théo et je pense que je le mettrai dans son album. Ça. Franchement, c'est trop trop beau. J'adore. Une tour Eiffel. Ah, le petit cœur. C'est trop beau. Franchement. Waouh. Le petit napperon. Encore un petit cœur. Et une clé. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails à la caméra. Elle est. Trop trop vert. Ça, on va mettre là, on va les ranger après dans les petites boîtes. Et encore une enveloppe. Hop. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. La bini. Voilà. Ah là 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 là. Elle a fait une fleur en crochet. C'est trop beau, franchement. Et la patience qu'il faut pour faire ça. Et je sais, il y en a, ils font les yeux fermés après, mais. En moi, ça c'est un truc. Ah, j'adore. J'adore. Ensuite. Oh. Je sais pas si c'est du bois ou si c'est elle qui l'a fait. Je pense que c'est du bois. Il me semble. Du bois qu'elle aurait colorisé. Je sais pas. Non, peut-être du moulage. C'est trop fait. Eh, vous avez vu comme c'est fait?
Franchement, c'est trop beau. Ah ouais, regardez-moi ce camé. Vous y voyez pas grand-chose. Non. Faut dire que le portable il est un peu sale. C'est trop joli. Franchement, j'adore. Voilà. Ça. Il est transparent avec des paillettes. Alors ça m'intéresse de savoir avec quoi tu l'as fait. Si c'est toi qui l'as fait, ça m'intéresse bien de savoir comment tu as fait ça parce que c'est trop joli. Ah ouais. Encore un aperon. Et des engrenages. Bébé, je suis un peu trop gâtée, je trouve. Écoute, Régine, merci beaucoup, vraiment. Tu es vraiment adorable. Je ne méritais pas tout ça. Ça me touche vraiment beaucoup. Et que dire de plus que mille merci, un grand merci. Voilà, je vais te contacter pour te le dire parce que du coup, je n'ai pas pu encore te contacter. Mais je voulais l'ouvrir en vidéo. Voilà. Donc je sais, après j'en fais pas trop parce qu'en général, voilà, je suis un peu sensible, donc j'ai un peu de mal, mais bon, voilà quoi. Ça me touche vraiment beaucoup. Un grand, grand, grand merci. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.